Alors, les clés du MG Thermique Luxury, notamment le 1 litre turbo, c'est exactement comme les versions électriques. C'est sans contact. Vous laissez dans la poche et vous pouvez démarrer à l'aide du bouton. Par contre, la version thermique confort, donc c'est ça. La clé, elle est comme ça. Donc avec les trois boutons. Et ici, vous avez la clé qui est pliable. Donc vous avez remarqué que les deux clés sont identiques. Ils font pas comme les Français, où ils donnent une clé avec télécommande et puis l'autre c'est une clé qui vaut rien en fait. Voilà, bah, chez eux, chez MG, c'est deux clés identiques à télécommande. Voilà, ça c'était le petit détail. Hey, regarde, aujourd'hui on découvre le ZS Thermique. Alors celui-là c'est le 1 litre turbo. Alors, on va essayer d'y rentrer. Niveau esthétique, tu vois tout de suite que la calandre, elle est noire. Comparé à l'électrique, regarde, l'électrique elle est là-bas, tu vois, et elles sont toutes en couleur carrosserie. Et là, on l'a en version ajourée pour que l'air puisse passer pour refroidir le moteur. Voilà, donc après, regarde, on va l'ouvrir. Les rétroviseurs se sont ouverts, et à l'intérieur, on a exactement le même véhicule, enfin, les mêmes instrumentalisations, etc., que la version électrique, sauf que. Là, tu vois, on a une boîte de vitesse. 6 vitesses. Eh ouais. Regarde. Sinon, pour le reste, tout est identique. Commande au volant. Les régulateurs adaptatifs, etc. Enfin, non, il n'y a pas de régulateur adaptatif, pardon, sur ce véhicule, mais régulateur et limitateur de vitesse. Bien sûr, les 4 vitres électriques de série. Donc, ça, c'est la version 1 litre turbo. Qui est comme ça, avec le toit panoramique et le rideau, bien sûr. Et regardez, brodé MG sur les appuie-têtes à l'avant. Voilà. Et bien sûr, la surpiqûre en rouge et le cuir aussi au tableau de bord. Voilà. Pour le reste, ça change rien. Je vais vous ouvrir quand même le coffre pour vous montrer s'il y a une différence ou pas. Et oui, le coffre il est un peu plus profond. Alors, pareil comme le version thermique, on a la possibilité de mettre la planche là, à cet étage-là. Ici, je retire. Et on a l'emplacement pour une roue de secours. Donc, je pense qu'il est vendable en option. Sinon, il y a toujours le kit de gonflage. Bien sûr, si vous voulez avoir encore plus de capacité, vous virez tout ça et la planche, et automatiquement, vous pouvez mettre encore des petites choses. Voilà, bien sûr, les sièges sont rabattables un tiers, deux tiers, donc ça, ça ne bouge pas. C'est pareil, donc, en gros, il y a un gain de place au niveau du coffre qui est plus profond, voilà, avec l'emplacement pour une roue de secours, pour le coup. Donc ça, c'est pas négligeable, surtout pour ceux qui ont peur de crever. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de demandes. Et voilà ce que ça donne au niveau de l'arrière. Après, pour tout le reste, tout ce qui est esthétique, bah ça change pas. Alors, c'est livré direct avec des jantes alu. Donc, ici, c'est du 17 pouces en 215-55-17. Ils sont chaussés d'office en Michelin. Et après, pour le reste, donc c'est dommage, il n'y a pas les vitres teintées, mais cependant, vous pouvez mettre des films pour que ça soit nickel. Et puis, regardez, si je ferme, les rétros se replient. Voilà pour la présentation du 1 litre turbo. Alors, niveau moteur, on retrouve le 1 litre TGI, en fait, qui a la même esthétique que le 1 litre 5. Voilà, 4 cylindres. Donc je regarde, c'est toujours un moteur à chaîne, donc ça c'est bien à savoir en termes d'entretien, bah ça va être au top, ça coûte beaucoup moins cher, et puis donc ici la batterie, la seule batterie du véhicule, qui est ici, une batterie standard, et puis après pour le reste, c'est assez facile d'accès, donc une boîte mécanique, avec une butée hydraulique, ça c'est pour les petits aspects techniques, mais sinon après tout le reste... est facilement accessible, donc effectivement il n'y a pas trop de différence avec le 1 litre 5, parce que quand on le voit, le 1 litre 5
Il y a juste ici une tubulure, en fait, qui passe à peu près à cet endroit-là de mémoire, avec ce capteur d'ailleurs, qui est un peu plus grand et qui se trouve ici. Voilà, sinon pour le reste, ça change pas grand-chose. Voilà. Donc le ZS thermique, donc il est identique à la version électrique. Voilà, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter votre concessionnaire le plus proche. Voilà, donc si vous êtes intéressé, ne tardez pas trop parce que ça risque d'être en rupture de stock vu le grand succès de ce véhicule qui est moins cher et plus intéressant que le Dacia Duster par exemple. Alors, je suis à bord du véhicule et donc lui, il a le démarrage sans clé. Donc, juste le pied sur le frein. Tiens, c'est bizarre. Le moteur reste éteint. C'est normal. Alors, présentation, ça se présente comme ça. Ah non, il est toujours éteint. Donc là, il est bien éteint. Ici, on a, au niveau du levier de vitesse, on a donc l'aide à la descente, l'ESP off, caméra 360, et ça, par contre, je ne sais pas. Ça doit être le stop and start, je pense. C'est-à-dire que quand vous arrêtez un feu... Ah bah voilà, j'ai réussi à le mettre en route. Il faut appuyer sur l'embrayage pour pouvoir le démarrer. Bon, chose à savoir, ok. Donc, ça, la version, elle est pas encore en français. Il y a le plein, a priori, de ce que je vois, il y aurait une autonomie de 406 km. Voilà, la voiture n'a que 49 km. Alors, les portes sont ouvertes. En fait, ici, on a des indications. Donc porte ouverte, sinon le carré passe sur le cadenas. Les lumières comme quoi elles sont éteintes, sinon il passe de l'autre côté. Et les portes sont bien fermées, sinon ça passerait de l'autre côté, regardez. Bon, et en même temps ça affiche comme ça, effectivement. Au niveau du menu, donc je appuie vers le bas. Donc là on voit bien la voiture, il n'y a pas de problème. Ici, les kilomètres et la consommation de la journée, donc elle n'a rien fait. Sinon, elle a roulé pendant 38 km pendant 2h30 à 16 km/h. Elle a consommé 13,3 litres au 100. Donc, bien sûr, si le moteur était arrêté, automatiquement ça fausse le truc. Donc, voilà. Au niveau de la pression des barres des pneus, donc ça, pareil, on a sur toutes les MG. Et puis ici, on a la jauge de la batterie de la voiture. Et après, on revient. Là, j'ai fait à gauche. Encore à gauche, donc là on est comme le EHS par exemple, et après on revient. Voilà, sinon les informations, donc compte tour, là on est à 1000 tours, j'accélère, vous voyez, et ça monte. Niveau bruit, alors intérieur, bon, bien sûr, il y a la clim, je vais la réduire, je crois que c'est ici. Voilà, donc présentation comme les ZS première génération et EHS, c'est la même chose. Regardez, exactement pareil, il n'y a rien qui change. Ici, home, on revient. Navigation GPS, bon, je pense pas qu'il soit activé, parce que le véhicule n'a pas été encore préparé pour pouvoir faire les démonstrations, etc. Mais sinon, on va essayer de voir si il donne une indication ou autre. Sinon, après, pour tout le reste, hein, on croirait qu'on est dans un véhicule 100% électrique. Effectivement, ah si, le GPS est bien activé. Et oui, bah, il fonctionne. Alors, on s'en fout. La clim, l'avantage ici, c'est qu'on peut réguler, vous voyez. Donc ça, ça change. Je pense qu'il y aura peut-être une mise à jour qui sera réalisable sur les ZS première génération et EHS. Je dis bien possible. Je dis pas que c'est obligatoire, parce que ça, il n'y est pas. Là, ça, c'est pour le chauffage. Voilà, si on veut du froid ou si on veut du chaud. Au niveau du reste, c'est tout pareil avec Android Auto, les photos, les vidéos. Et bien sûr, le 360. Donc on va voir au niveau qualité,
et on est sur une qualité qui est pareille que sur les autres voitures. Voilà, avec une possibilité d'afficher en 3D ou en 2D et de choisir la caméra qu'on veut. Voilà, donc ça, c'est pour la petite info. Bien sûr, on a des petits réglages. Si on veut, là, c'est du dynamique et du statique, c'est-à-dire que normalement, si on tourne le volant, vous voyez, là, il y a les petites barrettes qui changent. Alors, on va essayer de ressortir de ça. Tac, tac, non, 360. Regardez, je tourne un peu le volant et vous allez voir les traits là-bas qui vont bouger. Ici, vous voyez. Donc, il y a les statiques, c'est le rouge, jaune et vert. Et vous avez le dynamique qui est la direction, en fait, qui va prendre les roues du véhicule quand vous tournez le volant. Voilà, tout simplement. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, là, au niveau du menu, hein, c'est tout pareil. Hein, voilà, les assistances. Donc, là, tout est en anglais parce que le véhicule vient juste d'être réceptionné. Et du coup, c'est pour ça qu'il est en anglais. Mais sinon, il a exactement le même menu que la version ZS première génération et le EHS. C'est exactement la même config. Voilà. Et là, on peut même choisir au niveau de la direction si on veut du super souple, etc. Donc là, le volant, il est ultra souple. Ça fait penser comme sur les Fiat, où il y a la fonction City, par exemple. Voilà, donc les menus, c'est pareil. Pas de gros changements, sauf si c'est que la température qu'on peut régler directement comme on veut, sans aller plus loin. Parce que si on fait ça automatiquement, bah, on a ici donc la puissance, la direction de l'air, la clim, les sièges chauffants aussi. Hein, voilà, tout est là. Le piano ici, il est comme le ZS2 électrique. Et bien sûr, toujours le CarPlay ici. Et puis ici, là, pour mettre une clé USB quelconque, etc. Voilà, pour le reste, tout est maintenu. Porte-gobelet. Une petite boîte à gants ici au niveau de l'accoudoir. Et puis, les petits boutons qui sont ici. À la place de la molette qui tourne. C'est un levier de vitesse, donc boîte 6 vitesses. Voilà, et le moteur à l'intérieur, on l'entend un peu au ralenti. Bon, c'est clair, ça fait un peu de bruit par rapport à une voiture électrique, mais globalement, c'est acceptable. On va dire, c'est dans la norme de toutes les voitures. Voilà. Toujours la finition qui est vraiment bien travaillée sur piqûre rouge. Ici, sur piqûre noir, sur du molletonné. Donc ça, c'est bien. Les aérateurs qui sont très bien, qui diffusent bien le vent. Les commandes de toit au vent qui sont exactement comme les autres versions de chez MG. Voilà. Et sur celui-là, effectivement, il y a une prise USB aussi qui est présente. Donc sur le thermique. Donc on peut brancher, par exemple, une dashcam si besoin. Même si c'est pas prévu à cet effet. Donc prenez quelque chose qui ne consomme pas beaucoup en électricité pour être sûr du bon fonctionnement. Voilà, pour le reste, on est comme sur le thermique. Voilà, et au niveau du compteur, donc ça se présente comme ça, il n'y a qu'une seule finition. Comme c'est le 1 litre turbo, donc tout est un petit peu en rouge pour l'aspect sportivité, tout simplement. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, elle vous a même peut-être donné envie d'acheter ce véhicule qui nous change en fait du véhicule électrique, hein, pour ceux qui veulent rester dans le thermique. Voilà une solution de chez MG qui est fort intéressante. Je vous laisse aller la découvrir dans la concession la plus proche de chez vous. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.